Hey, salut à tous, c'est Atri. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de notre saison au zoo. Alors, j'ai bossé un petit peu hors caméra, mais bon, pas beaucoup. J'ai peaufiné 2-3 trucs, donc là, les boutiques, on peut voir que je les ai finies. Bon, la zone là, je pense qu'elle est finie, hein. Si, des lumières à rajouter plus tard quand j'ouvrirai le parc de nuit. Du petit panneau, peut-être information à droite à gauche. Mais en gros, je suis plutôt content de tout ça, quoi. Ça y est, ça prend forme, enfin. Après avoir passé je sais pas combien d'épisodes à rien faire. En tout cas sur l'entrée quoi. Voilà, l'entrée est toujours pas faite, hein. C'est toujours très moche. Regardez, une caméra de surveillance là dans les arbres. Bon, en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on va faire, alors j'ai commencé à bosser vite fait sur l'enclos là. Donc bon, j'ai juste terraformé, hein. J'avais pas envie de le faire en vidéo ou ne serait-ce qu'en timelapse, parce que bon, bah, c'est du terraformage, hein, c'est tout le temps pareil. Donc là aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser sur cet enclos. Là, j'ai déjà fait la clôture. Donc l'idée, en fait, ça va être de mettre des tigres du Bengale. Je voulais mettre des pandas là pour le défi communautaire, mais j'en ai pas trouvé dans les échanges d'animaux. J'ai trouvé des pandas et dans 3 semaines, je crois, pas des pandas, des tigres, pardon, tigres du Bengale, ils sont ici. Voilà, un mâle et une femelle que je vais pouvoir mettre dans cet enclos ici. Donc les défis communautaires, bon bah pour les pandas, ça va être râpé. Dans 2 jours, 3 jours, là, il y a la peau de l'ours qui va commencer. Donc on verra, je vais peut-être faire un enclos d'ours par ici, peut-être. Je ne sais pas encore comment. Mais bon, dans tous les cas, on va déjà bosser sur cet enclos au tigre. Alors, ce que j'avais dit que je ferais, c'est partir sur une zone un peu asiatique. Donc pour l'instant, en fait, je vais faire un bâtiment de service ici. Il y aura un accès qui va descendre dans l'enclos. Et voilà, ça va être le début de notre zone asiatique qui va démarrer là. Donc ensuite, je pense qu'on va revenir un peu là sur le côté. Je ferai peut-être un autre enclos par là. À voir. Bon, j'ai un problème avec les enclos, en fait. C'est parce que je trouve que je les fais extrêmement grands. Bon, les flamants roses, c'est pas un problème parce qu'on peut en mettre beaucoup dedans. Mais par exemple, les crocodiles, là, je peux avoir que un mâle, une femelle, adulte. Après, je peux avoir des bébés, mais voilà. Et là, c'est pareil, les tigres, je peux en avoir que deux, en fait. Ils fonctionnent que par deux, les tigres. Donc, ils sont où les tigres du Bengale? Je crois qu'ils sont. Ah non, c'est classé par ordre alphabétique ici. Alors, tigres du Bengale, ils sont ici. Vous voyez, ouais, c'est que deux par enclos. Donc, je sais pas, je pense que mon enclos est un peu grand. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on verra. On viendra à peaufiner un petit peu par la suite. On verra comment on gérera la chose. Bref, dans tous les cas, aujourd'hui, ce que j'ai dit qu'on allait faire, c'est partir sur cet enclos. Donc, ben, on va démarrer tout de suite. Attendez, je texture ça vite fait. Tac. Voilà. Alors, j'ai dit que j'allais faire une zone de service ici, sur un bâtiment asiatique. Alors, ce qu'on va faire, ben, on va démarrer tout de suite la construction du bâtiment. On va pas le faire en timelapse. On va voir si je m'en sors pas trop mal pour une fois. Alors. J'ai envie de partir sur des briques de ce genre-là, là, en pierre sèche. En pierre sèche pour faire le. Hop! Oh, parfait, en plus j'ai pas. Ouais, mais base. Est-ce que je fais une base comme ça ou là je fais un mur droit? Ouais, non, on va faire un mur droit. On va faire un mur droit. Donc, allez, on va s'aligner. Donc, j'ai dit que j'allais le mettre par ici parce qu'après je ferai un accès là pour descendre. Donc le bâtiment, je pense qu'on va le faire comme ça. Là, on aura le point de vue ici aussi. Allez, on va le faire comme ça. On va le faire comme ça. Je vais l'aligner là. Tac. J'ai envie de le mettre au bord. J'ai envie de le mettre au bord avec une passerelle pour accéder. Comment je vais gérer? Je sais pas trop. Écoutez, on va déjà partir comme ça. Alors, en bâtiment de service, le problème qu'il y a, c'est que j'ai pas encore fait les recherches en fait. Donc, mais je m'en fiche des plans, moi je veux pas les plans moi. Plans désactivés, voilà. Parce que le problème, ah si, le veto, lui, j'en ai un bon ici. Le problème, c'est ça, c'est la cabane du soigneur en fait, elle est toute petite. Elle est toute petite. Si je viens à mettre une cabane du soigneur ici, avec un veto à côté,
Alors, la porte du veto, elle est là. Ouais. On va faire ça. Donc, on va partir sur un mur. Avec fenêtre. Alors, la petite porte, elle est là. Voilà. Et puis derrière, de toute façon, ça sert à rien qu'on le fasse trop gros, le bâtiment. On va rester comme ça. Comment là? Je suis intérieur ou extérieur? Je suis extérieur. Alors, on va se mettre intérieur. Non, un grand mur. Voilà. Alors, voyons voir comment je vais faire ce bâtiment. Si je repars sur une hauteur comme ça, je pense que ça peut être pas mal. On va voir. Tac. Intérieur, extérieur, intérieur. Voilà. Ok. Alors, si je pars maintenant sur un toit asiatique, alors normalement j'ai fait toutes les recherches, donc je devrais avoir tout ce qui est nécessaire. Regardez, si je pars sur un thème comme ça peut être sympa, ça. Je suis aligné comment alors en hauteur de grille? 1 mètre, voilà, c'est très bien. Donc si, mettons que je parte comme ça. Alors, tac, tac, tac. Ouais, je pense que ça peut être pas mal, hein. Je pense que ça peut être pas mal. J'ai pas en toi. Si je les ai tous là. Toi plat, toi plat. Pas un plat en. Ah si, là, c'est parfait. Parfait. Alors, ah bon, ça donne ça comme ça. Va voir. Parce que si je fais ça, ensuite je reprends ça. Hop. Ensuite, on va partir sur un petit muret en pierre sèche. 1 mètre. 1 mètre ou 2 mètres. Ce truc, hein. Et oui, parce que là, je suis pas aligné. Donc, en fait, il aurait fallu que je me mette. Là, je suis un. Ah, si, ouais. Si je pars comme ça, on revient là-dessus. Et ouais, et là je vais pas être bon en fait. J'aurais dû le faire plus large de 1 le bâtiment. Ouais, quoique non en fait, je vais faire comme ça, hein. Ouais, c'est très bien comme ça. On va pas s'embêter. Ouais, non, non, c'est très bien comme ça. C'est parfait. Je suis trop bas là, non? Comme ça ou comme ça? Non, comme ça, je pense. Alors, toi, plat en tôle, ondulé en terre cuite, pardon. Tac. Voilà. Et pour finir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit mur de 1 là, par contre. Qu'on va mettre. Ouais, qu'on va mettre sur toute la longueur. Voilà, on revient sur les petits toits. Et comment on va gérer la chose? Comme ça me paraît pas mal. Alors, terre cuite, voyons voir. Est-ce que là, je suis bien sur le. Oui, parfait. Hop! Hop, alors attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le filtre. Je crois que c'est dans thème. Asie. Ouais. Ah, je peux faire des filtres personnalisés. Ah, c'est bien ça. Ok. Marc, c'est quoi Marc? Non, mais Marc. Ok, voilà, comme ça, là, on est vraiment dans le thème Asie et on a ce qu'il faut. Oui, voilà, là, on est bien. D'accord, alors voyons voir. On va retourner dans tout.
Parce que là j'ai des petits zigouigoui ici, j'aimerais bien remettre des petits zigouigoui là-haut. Je sais pas si j'ai ça, je vais trouver ça où. Des décorations de toit, ah ce serait ça. Ah oui c'est ça. Ah c'est ça. Ah bah oui, parfait, regardez, ça s'emboîte. Ça s'emboîte pile poil. Ça s'emboîte pile poil, bon on va pas chipoter hein. Dit-il en chipotant. Voilà, et le deuxième, ici. Voilà, regardez. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça. Et pourquoi... Est-ce que je serais pas un chouïa trop haut, là? Non. Virgule. Ouais, non, en fait, hein. Non, non, alors il y a peut-être un truc pour masquer. Ah, regardez. Quoi ça en fait? D'accord, ouais, non, c'est juste une poutre. C'est juste une poutre, mais c'est ce qu'il me fallait pour que le rendu soit mieux. Elle est où? Elle est là. Tac. Eh oui, mais. C'est tout le temps en train de changer ces trucs là. Ça change, ça bouge tout seul. Ok, tac, tac, tac. Et voilà. Par contre, là, je vois que ça part en diagonale. Mais moi, je peux pas mettre en diagonale. Alors, attendez, est-ce qu'il y aurait pas des trucs que j'aurais pas vu? Non. Apparemment, je vois pas. Bon, écoutez, on va laisser comme ça. Là, en tout cas, ça casse un peu cette ce trou qu'il pouvait y avoir. Ok, donc ça, on est pas mal. Alors, voyons voir maintenant. On va essayer de décorer un petit peu le... mais j'ai pas tellement envie que tu alignes... Ah oui, le problème, c'est que je suis pas droit par rapport... par rapport à la carte, là. Il va falloir que je me débrouille autrement. Mais de toute façon, c'est pas vraiment ça que je veux. Ah, regardez ça, c'est joli, ça. Regardez, c'est pas mal, ça. Pour l'entrée, tac, on va mettre ça comme ça. Un deuxième ici. Voilà. On est dans le thème, là. On est dans le thème, on est dans le thème, là. Alors, on va faire une petite avancée de toi. Mince. Ouais, mais arrête de te réinitialiser, foutu truc, ça m'énerve, hein, vraiment. J'ai pas un truc dans les options, parce que sérieusement, ça m'énerve, ça. Paramètres. Alors, ça va être dans quoi? Ouais, c'est pas là-dedans. Alignement vertical global. Les bâtiments et les attractions sont limités à une hauteur. Désactiver les machins de collision. Paramètres de visiteurs. Ouais, on s'en fiche. Ouais, non, y a rien du tout. Hein. Ouais, bah, va falloir arrêter de te réinitialiser à chaque fois, le truc. C'est chiant. C'est chiant, regardez. Alors, là, il me dit 2 mètres, mais vous les voyez, les 2 mètres, vous, là-dedans, là? Regardez, c'est... Je peux me foutre au millimètre, quoi. Il faut qu'il arrête, là. Faut qu'il arrête. C'est... Ça bug, hein. On tire, votre jeu, il bug. Et merde. Voilà. Comme ça, là, ça nous fera la petite avancée de toi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la fait plus longue? Est-ce qu'on la fait sur 2? Ou on la laisse sur 1? Non, bah écoutez, on va laisser comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal. On va essayer d'améliorer un petit peu tout ça. Voyons voir. Si je vais dans mur, poutre... Que je retire le thème Asie et que je pars sur une poutre. On va retirer ça aussi. Ah, regardez ça. Mais pas en arrondi, en arrondi. Je vais le faire pour l'avancée de toit par contre. Ah, attendez, je vais juste
déplacer ça. Ok. Tac tac. Ok. Là, c'est pas mal. On redescend jusqu'à hauteur de sol. Mince, je suis pas dans le. Je suis pas dans le bâtiment. Fusionner les groupes. Voilà. Tac, on prend nos poutres. On vient mettre ici. Pour être aligné avec l'autre. Voilà. On est pas mal. Buguez pas comme ça sur. Ah. Voilà, là ça m'a l'air mieux. Voilà. Est-ce que j'aurais un petit truc pour. Mince. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Est-ce que. Voyons voir si je pars sur une couleur. Voilà. Ensuite, lui. Allez, viens. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Faut que ça ferme. Voilà. On est pas mal. On est pas mal. Alors j'ai une idée. On va prendre une poutre peinte. Poutre carré peinte. Voilà. En 4 mètres. On va mettre là-dessus. Ah mince. C'est une peinte, mais je peux pas changer les couleurs. Bah si. Poutre carré peinte. Hop. Ok. Ah non, mais là, je suis sur une ronde. Poutre ronde peinte. Poutre carré peinte. On va y arriver. Voilà, déjà, on a fait un petit peu ça. On est pas mal. Est-ce que je pourrais mettre des petites décorations murales? Regardez, ça, c'est sympa, ça, par exemple. Ça, je pourrais très bien mettre... Regardez, ça, c'est superbe, ça. Voilà, une petite déco comme ça ici. Ça au-dessus de la fenêtre. Ok, ça c'est pour afficher des linteaux de bois peint. Ah bah d'accord, je me suis embêté pour rien du tout. Ouais, il y a des trucs vraiment sympas sur le thème Asie. Un truc vraiment sympa sur le thème Asie. Bon, on verra pour peaufiner peut-être plus tard. En attendant, je vous propose de faire un petit timelapse et puis on se retrouve juste après. Allez, bon visionnage!
Et nous voilà de retour. Bon, bah ça y est, j'ai pas mal avancé sur la zone. Bon, je sais que les timelapses seront un peu entrecoupés, mais j'ai pas mal galéré pour le montage, là. Dans tous les cas, voilà, la zone là est plus ou moins finie, on va dire. Donc, bah, comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai pas mal décoré tout le long. J'ai mis des petits panneaux LCD à droite, à gauche. Pas d'électricité. Ah, d'accord. Faut que j'arrête de dire « j'ai remarqué que je disais beaucoup « Alors je vais essayer de trouver un autre truc du style ou quelque chose d'autre. Bon, donc en tout cas, voilà, notre enclos, il est terminé. On a nos petits tigres à l'intérieur, là. Oh ouais, il escalade bizarrement, lui. Nos petits tigres du Bengale qui sont bien mignons. Je suis bien content. Je suis franchement content de l'enclos. Je trouve le rendu... je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve vraiment pas mal. Donc bah là sur le bâtiment que j'ai, la petite annexe que j'ai rajoutée à l'arrière, donc bah c'est dans l'annexe là où j'ai rajouté en fait la station de pompage et le transfo pour l'électricité là. Et aussi j'ai rajouté ce petit atelier, parce que j'avais oublié de mettre un atelier, donc j'ai été le rajouter ici. Voilà l'annexe à quoi elle ressemble. Bon, il faut que je continue à peaufiner un petit peu les allées, là vous pouvez voir j'ai mis des bordures là tout le long. Donc il faudrait que je fasse un petit peu pareil par là. Continue à peaufiner, bref. Voilà pour cette petite zone, qui pour moi est finie quasiment. Hein. Il va falloir que je mette des arbres et des petits trucs de ci, de là. Mais dans l'idée, on est pas mal, je trouve. Dans l'idée, on est pas mal. J'ai les premiers visiteurs qui commencent à venir dans la zone. Ça fait plaisir aussi. Ça fait plaisir aussi. Donc bah voilà. Voilà pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Dans le prochain épisode... On va continuer à bosser sur la zone asiatique, il va falloir que je fasse des restos ou des petits trucs, on va voir, je sais pas encore comment je vais partir. Là honnêtement je peux pas vous dire parce que j'en sais strictement rien, sachant qu'ici c'est notre allée principale. Je sais pas, on va voir, je vais continuer à aménager un petit peu, à peaufiner et fignoler de ci de là hors caméra. Et puis bah, de toute façon je vous reprendrai pour l'épisode 6 pour continuer notre petit parc. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je suis extrêmement satisfait. Hop. Faudrait que je trouve un système, je sais pas si vous avez des idées, pour cacher les haut-parleurs, là. Je suis pas fan du rendu. Bon, bah voilà. Sur ce, les amis, moi, je vous laisse. Et puis, bah, je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde, bye bye.